500 hectares, situé à 65 km de Dakar. Bon, une réserve où on peut trouver des animaux qui ont été importés d'Afrique du Sud, comme par exemple les girafes, comme les élans du Cap, les impalas. Et on peut trouver aussi dans la réserve de Bandia des animaux du Sénégal, comme par exemple les singes, le buffle de savane, l'antilope cheval, tout ça. Et ça, c'est le côté, disons, faune. Mais il y a dans la faune et culture aussi. Hein. On a au passage, disons, on a vu le baobab cimetière, tombeau des griots cerères, qui était là avant la réserve, le tombeau des griots cerères. Les élèves ont posé des questions, on a essayé de répondre à notre maximum. Alors donc, je crois que maintenant, on pourrait peut-être s'arrêter là, peut-être une prochaine fois d'autres élèves vont venir. Et je crois que, et je souhaite, et je crois que cette première, je ne sais pas, c'est la première visite, bon, cette première visite servira d'exemple et pourra, disons, à l'avenir, d'autres élèves de l'école Cheikh Abdou Khat Djilani, Sissoko, devraient venir prochaine fois, la prochaine fois, plusieurs fois aussi, faire la visite de la réserve de Bandia. En tout cas, c'est important pour les élèves de nos jours. Ok, c'est une bouffée, disons, d'oxygène dans la pédagogie sénégalaise. Excusez-moi du terme. Voilà. Voilà. Mais moi, je disais que c'est les. Comment dirais-je? Il y a des animaux qui ont été importés d'Afrique du Sud. Je disais que j'ai parlé tout à l'heure des girafes. Ça a été importé d'Afrique du Sud. Et avant même cela, avant, il y avait des girafes au Sénégal. Bon, j'ai parlé des impalas, on a parlé des élans du Cap, tout ça, ça a été importé d'Afrique du Sud. Mais il y a des animaux qui étaient là, si vous voulez, avant même qu'il y ait la réserve. Par exemple, les singes. Et nous avons deux types de singes, par exemple, ici. Les singes verts et les singes de couleur rousse, que l'on appelle patas, ils étaient là avant. Et ça, c'est parmi les animaux du Sénégal. Et parmi les animaux qui ont été du Sénégal et qui ont été amenés du Nyokolo Kobayout, on a vu
L'antilope cheval, on a vu, l'élan de Derby par exemple. Ouais. Les phacochères, il y en a aussi, c'est du Sénégal. Voilà. Et nous sommes venus ici, dans la réserve de Bandia, pour faire une sortie pédagogique. Et cette sortie-là vient en appui sur les cours théoriques qu'on a fait en classe. Donc, en classe, on a vu des cours portant sur l'environnement, le paysage, dans le domaine de l'SVT, mais aussi portant sur le relief, les types de sols, la végétation. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce au guide qui nous a expliqué les types d'animaux qui sont comme ça, comme il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'animaux comme les girafes, hein? On a vu des zèbres, on a vu des phacochères, on a vu les buffles. Hein? On a vu aussi ici que le paysage est sahélien, mais aussi, on peut dire que aussi on est dans la savane. Et la végétation qui domine, ce sont les acacias. Et il y a beaucoup de types d'acacias, l'acacia albida, entre autres. Il y a aussi les baobabs, dont le nom scientifique est Adansonia digitata. Et on a vu que le type de sol est par endroits argileux, limoneux et sableux aussi. Vous voyez? Donc tout ça, ça nous renseigne sur ce qu'on a déjà vu en classe. Ça matérialise ce qu'on a vu en classe. Vous voyez que assis dans la classe, entre quatre murs, ça, ce sont des cours théoriques. Donc cette sortie nous a permis de rendre réel, de vous montrer que ce qu'on a vu en classe, c'est, ça existe. Ce ne sont pas des contes de fées. Donc ça, c'est pratique. Donc tout à l'heure, le guide nous a montré les lichens. Et on a vu parler de lichens en classe, la relation de symbiose, les types de plantes, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez vu des oiseaux piquer la peau des buffles. Vous-même, vous avez reconnu le type de relation qui existe, c'est-à-dire le commensalisme. Donc, cette sortie-là, donc l'important de ces sorties-là, c'est de vous renseigner davantage, c'est de vous apprendre davantage. Donc, à l'issue de cette sortie-là, vous devez pouvoir faire un compte-rendu, confronter ce que vous avez vu ici avec ce que vous avez vu en classe et pouvoir présenter un compte-rendu avec les photos à l'appui. Donc, en somme, nous remercions l'administration de l'école, à commencer par le directeur M. Camara, de nous avoir permis de montrer ce que nous avons vu en classe, de le montrer sur le terrain. Et nous comptons reproduire ces genres de sorties-là pour pouvoir rendre plus solide la formation. Donc, c'est en gros ce qu'on peut dire. Voilà.